The hall of Orly Airport. A loudspeaker announces the arrival of a flight. Attention, s'il vous plaît. Air France annonce l'arrivée de son vol numéro 663 en provenance de Genève. Les passagers sont priés de se présenter pour les formalités de police et de douane. Merci. John Dossier, a tall young man, leaves the customs and goes to a counter where change is given for tax. Pardon, monsieur. Où est le téléphone? Monsieur, le téléphone, s'il vous plaît. Ah, bon, c'est là. Dossier makes for one of the booths, but it is already occupied by a young woman. Her name? Catherine. Oh, mais je vous en prie, monsieur. Elle est bien, la fille. Elle est très bien. Pardon, mademoiselle. Vous téléphonez? Oui, je cherche un numéro dans l'annuaire. Ah, bien. Un petit instant, s'il vous plaît. Catherine notices that he's carrying a folded newspaper showing an advertisement for Soleil, the suntan oil. Giving an anxious look of recognition, she scribbles a note and slips it into the coin slot. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous êtes très aimable, mais vous ne téléphonez pas. Non, le numéro n'est pas dans l'annuaire. Alors, le téléphone est libre maintenant? Oui, il est libre. Et vous n'êtes pas dans l'annuaire, par hasard? Non, monsieur, je ne suis pas dans l'annuaire. Au revoir, mademoiselle, et merci mille fois pour le téléphone. Mademoiselle, s'il vous plaît. Serveur, c'est dommage. C'est une belle fille. Est-ce que j'ai dit la monnaie? Ah, qu'est-ce que c'est? Zut, c'est un franc. Goes back to put the money in the telephone and finds the note left by Catherine. Bar de Dom, Rue de Berry, 6 heures, 6-6. 6-6. Mais qu'est-ce que ça? Ça alors, c'est bizarre. Bar de Dom, 6 heures. Eh bien, pourquoi pas? C'est une belle fille. Mais oui, mademoiselle. Avec plaisir, mademoiselle. 6 heures. He's interrupted by a woman in the next booth. She appears to be having difficulties. Oui. Vous avez deux pièces de 20 centimes? Je n'ai pas de monnaie. Oui, un instant. Voilà. Merci bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, mais... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il ne marche pas. Mais voyons, raccrochez le combiné. Ah bon, excusez-moi, j'arrive de Genève et le téléphone français. Attendez, vous avez le numéro? Oui, j'ai le numéro. Qu'est-ce que c'est? Le voilà, 23-0807. Bon, alors, d'abord deux pièces de 20 centimes ici. Ici. Pouvez-vous décrocher le combiné? Ensuite, attendez le signal. Enfin, vous compensez le numéro. 81-ETO-0807. Voilà, ça sonne. Allô? Appuyez sur le bouton. Oh, merci, monsieur. Allô? Allô chérie, c'est Jean. Bonsoir. Oui, je suis à Paris. J'arrive de Genève. Non, je ne suis pas en ville. Je suis à l'aéroport, à Orly. Ce soir, à 9h. Ah, non chérie, je reviens. Et ce soir, c'est impossible. Non, mon amour, c'est absolument impossible. Non, mon amour, c'est absolument impossible. Bien sûr. C'est un rendez-vous d'affaires. Oui, en ville.
avec un homme d'affaires. Un homme d'affaires gros, avec une moustache. Il a une belle moustache et il a une pipe. Non, il n'est pas anglais. Il est suisse. Il est de Genève. Oui, ma chérie. Je suis désolé. Déjà, 5 heures. J'ai rendez-vous à 6 heures. Oui, mon amour. Oui, au revoir. Bonsoir et bonne nuit. Au revoir. He hangs up, takes the note left by the girl, and walks away. A man with a scar carrying a small packet approaches the telephone booth furtively. He looks everywhere for a note. Shaken at finding nothing, he makes off to get his packet. The lady in the next booth notices and calls after. The scar-faced man snatches the packet from her and rushes off. Merci, monsieur. Merci beaucoup. The Bar du Dôme, a small bar tabac in a narrow Paris street. Dossier arrives for his date. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur? Un whisky, s'il vous plaît. Un whisky, très bien. Tout de suite, monsieur. Et voilà. Merci. Un nature ou de salt? Nature. Ça va, c'est bien. Vous avez l'heure juste? Oui, elle est 6 heures. Cigarette? Oh non, monsieur. Vous avez le four? Le four, monsieur? Oui. Merci. Vous avez rendez-vous? Oui, j'ai rendez-vous. Où est Eve? Oh, vous savez, les femmes. Excusez-moi, je suis en retard. Mais non, vous n'êtes pas en retard. Tenez, essayez un whisky. Merci, pas pour moi. Un appétit pour la mademoiselle? C'est une bonne idée, oui. Un martini blanc. Et voilà. Allô, oui, t'es. Quoi? Le paquet. Oui, est-il? Le paquet? Eh bien oui, le paquet. Vous arrivez de Genève, non? Oui. Bien alors, vous avez un paquet pour moi? Un petit paquet comme ça? Mais... Allons, vis le paquet! There were 17 girls went to the cemetery. 17 girls went to sing a song. There were 17.